neighbor in radio sing trick or treat. Tell your neighbors on the telephone. It's our time. Everybody's screaming in this town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. How are you feeling? Like shit. Suitable Flesh est une adaptation à la Stuart Gordon de Lovecraft, sa nouvelle Le Monstre sur le Seuil pour être plus précis, avec au scénario Dennis Paoli, déjà l'écriture de Reanimator, From Beyond, Castle Freak ou encore Dagon de Gordon, Brian Usna à la production et Barbara Crompton devant la caméra. L'affiliation est donc on ne peut plus directe. À la réalisation, Joe Lynch, sympathique taré derrière le franchement hilarant et dégueulasse Détour Mortel 2. Qui ici se trouve comme un poisson dans l'eau, mais gagne en maturité de mise en scène, se rapproche donc de Stuart Gordon, tout en proposant sa propre patte, souvent référentielle, mais indéniablement inventive. Mais au-delà bien sûr de l'héritage assumé de l'auteur de Reanimator, il y a du Argento, du Carpenter, du De Palma, ça foisonne avec beaucoup de bonne humeur, un humour noir bien senti, et le joyeux mélange entre thriller gentiment érotique, comédie gore et horreur cosmique, marque de fabrique de l'écrivain de Providence, prenant chair dans une approche très body snatcher qui fait mouche, amuse énormément. D'autant que tout cela affiche un vrai petit cachet 80s. Seul petit regret, si l'horreur est joyeuse et gourmande, généreuse et crado, il manque ce point de rupture propre à Gordon, cet instant où les limites tendent à être dépassées et durant lequel le rire s'efface, l'amusement disparaît et l'on se demande si vraiment l'on veut voir ce qui se passe à l'écran. Je ne veux pas. Quand le gore festif et décomplexé bascule soudainement dans le glauque et le sordide, révèle quelque chose de définitivement abject. Reste que Suitable Flesh est une jolie surprise, une charmante petite série B maligne, fun et rétro, humble mais ambitieuse, à la joie sagement vicelarde, communicative, que je ne peux que vous conseiller pour Halloween.